voyage. Il allait d'une ville à l'autre, braquant une station-service ici, dévalisant une épicerie là, jusqu'à cette fameuse nuit. Elle rentrait de la chorale, mais n'arriva jamais jusqu'à chez elle. Stauf lui arracha son sac et s'enfuit. Il n'avait d'autre issue que courir et se cacher. Il tomba encore plus bas. Il ne lui restait plus rien, ni vie, ni rêve même. Et c'est alors qu'il eut cette vision. Une poupée. Dans son rêve, il tendait les bras, il la prenait. C'était un cadeau. À son réveil, Stauf sculpta la poupée. Il la tailla au couteau jusqu'à obtenir la réplique exacte du visage qui le hantait. Quand il eut terminé, Stauf alla en ville. Il entra dans un bar. Le patron avait une fille. « Oh, dit-il, ma fille adorerait cette étrange poupée. » Stauf l'offrit au bonhomme. En retour, le patron du bar lui donna le gîte et le couvert. Simple échange de bons procédés. Le premier d'une longue série. Cette nuit-là, Stauf eut une autre vision. Stauf réalisa le puzzle exactement comme il l'avait vu. Et tout le monde en voulut un. Stauf ouvrit un magasin parce que vraiment, absolument tout le monde voulait un jouet de chez Stauf. Chaque petit garçon, chaque petite fille de la ville et des villes environnantes. Les gens disaient, un jouet de chez Stauf, c'est un jouet pour la vie. Il n'y en a pas deux pareils. Chaque enfant aimait son jouet, d'autant plus qu'il était unique. Henri Stauf devint riche et c'est plus tard qu'arriva cet étrange virus et que des enfants ont commencé à mourir. Leur jouet de chez Stauf, serré sur le cœur. Puis il y eut cette troisième et dernière vision, celle de son dernier rêve. Une grande demeure, une maison de maître que le fabricant de jouets se fit par la suite construire. Une maison étrange qui faisait peur aux gens. Quel endroit riant. Edouard, je me demande si on a bien fait de venir ici aujourd'hui. Oh, comment ça? Parce que les mauvaises langues disent que la maison est hantée. Allons, allons, ma chère, avec moi, rien ne peut vous arriver. Quel épouvantable bicoque, vraiment. Je m'attendais à mieux de la part de Monsieur Stauf. Seigneur, c'est une affection. L'endroit en peste. Mais qu'est-ce qu'Henri Stauf fabrique ici,
Monsieur Dutton, soyez le bienvenu chez moi. Les termes du contrat sont simples. Vous restez passer la nuit dans ma maison et en échange, je vous donnerai l'occasion de satisfaire votre désir le plus secret. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je n'exigerai qu'une chose, que vous exécutiez la besogne que j'ai spécialement prévue pour vous. Il y a un invité qui n'est pas encore arrivé, un invité différent de vous autres, un invité très particulier. C'est de lui dont vous allez devoir vous occuper. Vous vous demandez sûrement de quoi il s'agit, mais ça, ça fait partie du jeu, monsieur Dutton. C'est l'énigme que j'ai élaborée pour vous. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Si ce n'est que demain matin, un seul ou une seule de mes invités seulement sortira de cette maison et son vœu le plus cher aura été exaucé.